Et une nuit mouvementée à Montréal, des coups de feu ont été tirés sur un commerce de la rue Berry. Anne-Sophie, les policiers du service de police de la Ville de Montréal ont pris en chasse des suspects. Oui, ça a été quand même un gros événement. Ça a commencé à 23h50 hier soir. Et ça a commencé ici sur la rue Berry. On est dans le Vieux-Montréal, dans l'arrondissement Ville-Marie. Et il y a des coups de feu qui ont été localisés sur un commerce sur la rue Berry. Et en effet, le commerce, eh bien, il appartiendrait à Émile Benamar, le même propriétaire que l'incendie qui a pris feu vendredi dernier. Le bâtiment qui a pris feu vendredi dernier, l'incendie là où il y a eu 2 morts. Et en mars 2023 aussi, à la place Duville, cet autre immeuble qui avait pris feu faisant 7 morts, c'est également le propriétaire Émile Benamar. Donc, coup de feu tiré 23h50, des appels qui ont été logés par des témoins. Il y a un petit camion blanc qui aurait été vu quitter les lieux rapidement après les coups de feu. Le véhicule en question a été localisé par les policiers et intercepté au coin du boulevard René Lévesque, un peu plus loin. Le véhicule suspect était immobilisé à ce moment-là et quand les policiers sont arrivés, bien, ils sont repartis en direction ouest sur René Lévesque et les policiers les ont arrêtés au coin d'Hôtel de Ville et de Boisbriand. Les 3 hommes qui ont été arrêtés, bien, il y a un adolescent de 17 ans et 2 hommes de 19 ans et 20 ans. Il y avait également une arme à feu dans la camionnette qui a été, bien sûr, saisie. Et vous dire aussi que les policiers ont localisé pas mal de douilles ici. Les enquêteurs font leur travail en ce moment à comprendre pourquoi ce commerce a été visé. Mais je vous dirais que c'est assez louche que ce soit encore Émile Benamar. J'ai parlé avec le porte-parole du SPVM il y a quelques instants. Alors, 2 périmètres qui ont été érigés. Les enquêteurs qui ont été demandés sur les lieux là, pour venir faire l'analyse de ces 2 scènes. On va tenter de comprendre les circonstances là, entourant ces coups de feu. Pour ce moment-ci, aucun blessé là, qui a été localisé, seulement des impacts et des douilles qui ont été localisés là, sur la rue Berry. Est-ce qu'on sait si ces 3 personnes arrêtées sont connues des policiers? Pour le moment, ce que je peux vous mentionner, c'est que les 3 personnes ont été transportées dans un centre d'enquête. Ils seront rencontrés par nos enquêteurs là, au cours des prochaines heures pour en savoir un peu plus ce qui a mené au coup de feu. Alors, ils vont être questionnés là, sur l'événement. Et Anne-Sophie.